Aha turi ni ku nzu nshya y'umuherwekazi w'umunyekongo ukomoka mu Rwanda, Brenda Tondimbata. Ni mu minota mike uvuye mu mujyi rwagati wa Paris. Twamusuye nyuma yo guhurira mu ihuriro ry'abashoramari ribera i Paris buri mwaka. PDG Brenda yahereye ku bucuruzi bwo kudandaza akiri umwangavu, yibanda cyane cyane ku bikenerwa bya buri munsi. Yaje kuzamuka mu ntera vuba vuba agera ku rwego rwo gucuruza imyenda y'imideli igezweho mu gihugu cya Congo Brazzaville, aho yabibangikanyaga n'ubundi bucuruzi bwo gutumiza ibintu mu mahanga. Mu 2009 niho yaje i Burayi, aho yatangije amangazini acuruza ibiribwa n'ibindi bicuruzwa byiganjemo ibikomoka muri Afurika. Kuva agera i Burayi yatangiye kugura amazu. Muri iyi minsi ubucuruzi bwe bwageze ku rundi rwego rwisumbuyeho. Bari kwibanda cyane mu gushora imari mu mazu akodeshwa mu gihugu cy'Ubufaransa no mu Bubiligi. Abafaransa bamugurishaho amazu baracyatungurwa cyane no kubona umunyafurika kazi ugura amazu ahenze Burayi atitabaje amabanki. Ahmed Sevink, umwe mu baheruka kumufasha mu kugura inzu atuyemo, yadutangarije ko nawe yemeye koko ko ari umuguzi ari uko atanze sheke yo kwishyura. Birumvikana kuko abanyafurika kazi b'abaherwe bagura amazu ahenze Burayi ari mbarwa. Ni gake cyane Burayi bahura n'abanyafurika nka Brenda kuko basanzwe bamenyereye abimukira bazanywe no guhaha aho gushora imari. Oya ntabwo ari ubwa mbere ndabimenyereye, ubundi nahangaha bamenyereye ko abagabo ari bo bagira amafaranga. En plus bamenyereye ko abantu bagura amazu bagujije imyenda muri banke. Nahereye 2009 ngura amazu hano i Paris, 2011 i Buruseli, 2013 i Buruseli na hano rongeze ku y'imezi ya gatanu nguze ndabimenyereye. Ni uko iyi agence Europe ari ubwa mbere nyiguzemo, naho izindi agence ziranze ziramenyereye mu mazu. Ariko nyuma baje kubona yuko narije kugura kuko nayiguze kandi nayishyuye kashi. Kuki mwahisemo iyi ngiyi? Nashakaga inzu ifite fasade nk'iy'iwacu muri Afurika. Kandi ni pranuvaga nifuza mbese. Mu bantu bari basanzwe bamenyereye mu bucuruzi bw'ama supermarché n'ubucuruzi bw'ibintu bw'imyenda ya luxe n'ibintu bibijyanye na luxe muri Congo Brazzaville, nyuma y'ama supermarché hano i Burayi, ubu mwatubwiye ko mwahisemo noneho kujya cyane mu mazu akodeshwa. Ese kuki mwahisemo gushyira amafaranga yanyu yose mu mazu akodeshwa? Ubundi kujya mu mazu biterwa n'intera ugezemo, ni intera yo hejuru. Ama supermarché nayo arimo ndi mu ntera yo hasi. Kugira ngo ujye mu mazu ugure inzu imugere kuri eshanu nk'izi zanjye, ni uko uba ugeze ku rwego rwo hejuru, kuko intangana nzu nta mazu yanjye nta n'imwe iri munsi ya miliyoni 100 z'iwacu. Ubwo urumva rero kugira ngo mbone uburyo kugura kujya mu mazu, ni uko nagomba kubanza ngakora ngashyiramo ingufu. Nakoze imyaka 26 ngeze inahangaha njye mu supermarché, ariko bwari uburyo kugira ngo izina ryanjye rimenyekane mu bucuruzi, kuko supermarché abantu bazamo ari benshi bagahaha. Ubwo rero nzamuka njya mu ntera y'amazu nkora ku giti cyanjye, twehano batwita Reservisseur d'Art Immobilier Locatif. Akigera i Paris yakunze cyane uyu mujyi, umwe mu mijyi ikurura abakerarugendo ku isi. Yahise afata icyemezo cyo kuhaguma, ahita atangira kuhatura no kuhakorera bidatinze. PDG Brenda akunze kujya mu mahuriro atandukanye ahuza abanyemari bo ku mugabane w'i Burayi ndetse rimwe na rimwe n'abo muri Afurika. Aha abagamije kumenya amakuru ku ishoramari ryunguka rigezweho. Mu bucuruzi bwe yifatira icyemezo ku giti cye, ari n'imwe mu mpamvu yatumye atera imbere cyane. Mu mikorere ye kandi akunda gukorana ubushishozi. Kuva yatangira gukorera amafaranga, yafashije imfubyi, urubyiruko ruri mu muziki ndetse n'urukina umupira w'amaguru. Hashize imyaka 2 ategura ibitaramo by'ihuriro ry'abanyemari, aho bungurana inama ndetse bakagira inama. Abatumirwa mu bakiri bato binjirira ubuntu.
PDG Brenda ntiyamamaye gusa ku mugabane w'i Burayi nk'umuherwe. Abanyafurikakazi b'abacuruzi bamufashe nk'umwe mu ntangarugero ndetse babimuhera igihembo. PDG Brenda akomeje gushishikariza urubyiruko n'abari n'abategarugori bakomoka muri Afurika kwihangira imirimo. Muri iki gihe umubare w'abategarugori bakomoka muri Afurika bafungura ibigo by'ubucuruzi uragenda wiyongera nubwo bitoroshye. Abenshi ni abacuruzi bikomoka muri Afurika cyangwa bafite ibigo by'ubukerarugendo bukorerwa ku mugabane bakomokaho. Kubamuzi akihagera ntiyasohokaga atitwaje umushoferi cyangwa se umurindira umutekano. Brenda Tanzimbata aragenda amenyera cyane umujyi w'i Paris. Kuri ubu aritwara ndetse yadutembereje umujyi atwereka ubwiza bwa Paris n'impamvu yahisemo gutura uyu mujyi. Iyi ni karitsiye mwakunze kuguriramo amazu yanyu hano mu Bufaransa? Mwagumye muri karitsiye cyangwa mufite n'ayandi muri karitsiye? Dukurikije ibivugwa n'inzobere mu bucuruzi bw'amazu, Brenda Tanzimbata washoye imari ye mu mazu akodeshwa mu Bufaransa no mu Bubiligi ntiyibeshye na gato. Inzobere zemeza ko kugura no kugurisha amazu ndetse no gukodesha biri mu bigezweho mu bashoramari muri ibi bihugu byombi. Nous sommes à la résidence de Mademoiselle Brenda Tanzimbata, femme d'affaires africaine à grand succès. Elle vient de souffler sa 39e bougie. Nous avons profité de notre rencontre à la 26e édition du Salon d'entrepreneurs à Paris pour avoir ses dernières nouvelles. PDG Brenda a construit sa fortune depuis son adolescence. Elle commence par le commerce ambulant des produits de première nécessité, monte rapidement un échelon et ouvre plusieurs commerces au Congo-Brazzaville, dont l'habillement de luxe, avant de conquérir le marché européen, à commencer par les supermarchés. Aujourd'hui, elle se consacre entièrement à l'immobilier locatif en France et en Belgique. Qui pourrait croire qu'à son jeune âge, PDG Brenda est à la tête d'une grande fortune, lui permettant de s'offrir une villa luxueuse à quelques pas de la région parisienne. Lors de la nouvelle acquisition, Ahmed Savink, l'agent commercial de l'agence Orpi, n'en revenait pas. Pas étonnant, puisque les femmes africaines capables de se payer une telle résidence en Europe et au comptant, on les croise très rarement. Bonjour, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bonne arrivée. Merci. Alors, l'agence Orpi, bonjour, bonjour, bonne arrivée. Merci. Ah oui, merci. Pour merci à vous. Une nouvelle maison. Voilà. Bienvenue. Bienvenue, frère. Attends, ah oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour l'agence Orpi qui m'a vendu la maison. Ah oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Ah, vous avez l'habitude à l'agence de voir des femmes qui achètent des maisons, des femmes africaines qui achètent des maisons à Orpi? Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, j'espère que du coup l'exemple du PDG va donner envie aux autres femmes africaines de venir investir ici. Donc, je les accueillerai avec plaisir à l'agence.
C'est assez surprenant quand même, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de 50 000 euros. On parle quand même d'une très belle somme. Je ne dirais pas la somme parce que ça reste très intime. Mais bon, en tout cas, c'est une très très belle somme. Quelqu'un qui nous dit aujourd'hui qu'il a cette somme comptant, on est obligé de vérifier. Du coup, quand on est arrivé à l'agence, on était un peu sceptique parce qu'il y a beaucoup d'a priori ici. Mais bon, finalement, 3 mois après, on est installé au même endroit où elle a visité. Donc, il faut, je pense, avoir confiance aux Africains dans un premier temps. Mais il faut aussi trouver un beau produit. Et elle n'a pas beaucoup ici. Ok. Vous nous disiez lors de la visite que, bah, justement, ce genre de produits, c'est difficile de trouver. Comment vous parvenez à voir justement... C'est très simple. Vous sonnez chez quelqu'un qui a une belle maison comme ça et vous lui dites que voilà, vous avez des investisseurs qui aimeraient leur maison. Donc soit ils vous disent dans 10 ans, soit ils vous disent oui, ils veulent vendre. Donc c'est une chance sur 10. Mais bon, moi je vais faire ce travail pour vous. En tout cas, enfin, je l'ai fait pour vous aujourd'hui. Je peux le faire encore si vous voulez encore acheter. Parce que vous n'êtes pas à votre première maison aujourd'hui. Vous avez acheté beaucoup de maisons en comptant. Donc c'est très très rare aujourd'hui. Mais pour vos amis, je pourrais le faire aussi. Donc il faut juste ramener l'argent. C'est une très grande maison. Là, c'est une très grande maison. Vous verrez les chambres tout à l'heure. Vous verrez un peu toute la maison. Et c'est aussi une belle maison. Donc tout dépend de vos goûts. Et comment vous l'avez trouvé en tant que PDG africaine et en tant qu'investisseur, force de caractère Très surprenant. Ouais. Moi je suis turc, on est assez macho, c'est vrai qu'on n'aime pas. On n'aime pas quand c'est une femme qui vient, mais aujourd'hui il faut comprendre que l'Afrique, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. PDG Brenda Tandimbata arrive à Paris en 2009. Elle est tombée directement amoureuse de la capitale touristique française. Sans hésiter, elle décide de s'y installer et achète sa première maison. J'ai commencé par l'immobilier locatif en 2009 parce que ça ne demandait pas de créer l'entreprise. En participant au salon des entrepreneurs en 2004, c'est là où j'ai découvert qu'un étranger il a le droit d'acheter une maison et en France, il a mettre locataire ou résider dedans. Ça demandé par le CABIS, le droit d'exercer le commerce. C'est 2009 que j'ai acheté la première maison. La deuxième maison, j'ai acheté en 2011. En 2012, j'ai acheté l'entreprise. En 2013, je suis allée à Bruxelles aussi, j'ai acheté des bâtiments avec l'entreprise. Donc, les maisons, je l'achète au titre personnel. Ce n'est pas l'entreprise. Donc, c'est différent. C'est mes maisons personnelles. Et puis, je mets les locataires. Et ce qu'on appelle notre statut, c'est l'investisseur dans l'immobilier locatif. Okay. Comment vous êtes parvenu à changer de statut, d'avoir beaucoup de centaines de personnes à gérer uniquement l'immobilier locatif? Est-ce qu'il y a une différence entre votre vie d'avant et la vie d'aujourd'hui? Oui, il y a une différence parce que l'immobilier locatif, c'est un domaine très simple et qui est rentable. Ça ne demande pas d'engager les travailleurs. Tu n'as pas besoin de payer les loyers pour les locaux commerciaux. Donc, quand tu compares l'activité des investisseurs dans l'immobilier locatif et le commerce, c'est très différent. Parce que le commerce, ça demande de payer les travailleurs, la sécurité sociale, des loyers, l'électricité, l'eau. Donc, c'est moins de tracasserie. Et en fait, l'immobilier, c'est un domaine qui est facile. Sauf que pour arriver à là, à avoir les budgets d'acheter des maisons, il faut investir pendant beaucoup d'années. Il faut investir, il faut travailler longtemps pour y arriver. Toutes mes maisons, je pense que ça c'est la cinquième maison que j'achète ici en France et en Belgique. Je n'ai jamais pris de crédit bancaire. J'ai d'abord investi toute ma jeunesse dans le business. J'ai commencé à 14 ans. Ça fait aujourd'hui 26 ans dans le business. Et je préfère travailler avec mes budgets personnels. Depuis qu'elle s'est installée en France, PDG Brenda Tandimbata s'inspire des autres investisseurs et ne cesse de multiplier les rencontres. Chaque année, elle participe au salon d'entrepreneurs ou au Conseil international des managers africains pour cibler les nouvelles opportunités. La femme d'affaires de l'Afrique centrale n'a pas seulement conquis le marché européen. Aujourd'hui, elle incarne le succès des femmes d'affaires de la diaspora africaine. Philanthrope, au cours de sa carrière, elle soutient les orphelins, les jeunes artistes et les jeunes sportifs en Afrique.
Depuis 2 ans, elle a créé une tribune de rencontre des professionnels dans le domaine des affaires pour cultiver l'esprit de business à la jeunesse. Plusieurs femmes et hommes d'affaires sont invités pour partager leur expérience. Les plus jeunes sont invités pour partager l'expérience de leurs aînés. Très récemment, un prix de reconnaissance lui a été dédié par le groupement des femmes d'affaires africaines. Un prix mis en place pour encourager l'entrepreneuriat féminin chez les femmes issues de l'immigration du continent africain, plus particulièrement de la région subsaharienne. De plus en plus, les femmes du continent vivant en Europe essayent de démentir les préjugés en créant leurs propres entreprises. PDG Brenda remercie la présidence de l'association pour lui avoir accordé cette opportunité de montrer aux jeunes filles et femmes africaines que tout est possible. Qu'il suffit juste d'avoir confiance en soi et de se donner le pouvoir de prendre la décision. Mademoiselle Brenda Tandimbata doit son succès grandissante à son énergie et à son pouvoir de prise de décision, sans compter son savoir de relever le défi. À chaque fois, elle se lance dans une nouvelle aventure avec beaucoup de prudence. D'après Ahmed Seving, l'agent immobilier d'Orpi, l'investissement dans la pierre est un secteur rentable et en pleine effervescence en France. Et c'est quel genre de clients, enfin, c'est des investisseurs africains qui viennent en France ou c'est des travailleurs? Non, la plupart sont des investisseurs qui viennent mettre de l'argent en France pour en récupérer beaucoup plus sur le long terme. Okay. Et vous avez l'habitude d'avoir des femmes aussi parmi les investisseurs africaines? Vous des avez femmes. Des femmes? Aujourd'hui c'est triste, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes, mais on en voit de plus en plus qui arrivent sur le marché. Donc aujourd'hui, voilà, on a Madame Mbata chez Orpi. On aura peut-être ses amis qui viendront à l'agence. En tout cas, vous êtes bienvenus. Enfin, quelle est la situation immobilière, l'investissement en immobilier en France? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très rentable? C'est quelque chose que vous pouvez conseiller aux gens? Aujourd'hui, ça fait maintenant, on va dire, 3 ans que je travaille dans l'immobilier. Et les crédits sont de plus en plus bas. Donc, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de biens qui sont intéressants pour les investisseurs, mais il faut oser venir maintenant. C'est ça le souci. Merci de vous, c'est juste une sorte de souvenir. Vous êtes trop loin, attendez. Je vais où? Je vais au milieu? Ok. Attendez. Merci beaucoup. Merci. Mademoiselle Brenda Tandimbata devient de plus en plus une vraie Parisienne. Aujourd'hui, elle se permet de se promener dans la capitale française sans chauffeur ni garde du corps, comme c'était le cas à son arrivée en Europe. Elle nous fait visiter les Champs-Élysées pour mieux nous prouver qu'elle n'a pas pris la mauvaise décision en s'installant en France.